If you enjoyed this episode, you'll like my exclusive learning tier on Patreon. You'll get exclusive learning videos, bonus episodes along with French idioms and expressions. Link in the description. And see the English translation. There are also questionnaires and bonus learning materials. Let's begin! Learning new things at any age. Apprendre. de nouvelles choses à tout âge. Alexis, un retraité de 68 ans, avait toujours rêvé de jouer au tennis. Enfant, il regardait Wimbledon à la télé avec sa famille. Il était captivé par la grâce et la puissance des joueurs. Un jour, Alexis s'ennuyait. Il se dit alors que ce serait l'occasion d'apprendre des nouvelles choses. Alexis décida donc de réaliser son rêve d'apprendre le tennis. Impatient d'essayer ce nouveau sport, il trouva un club de tennis près de chez lui. La semaine suivante, Alexis commença les cours de tennis. Malgré un léger sentiment de décalage, Parmi les joueurs les plus expérimentés, il était déterminé à apprendre. Sa coach, Emma, était une femme sympathique et encourageante. Lors de son premier cours, elle a accueilli Alexis avec un sourire et lui a dit, Nous allons Commencez par les bases. Le tennis est un jeu de patience et de pratique. Concentrons-nous d'abord sur votre prise et votre positionnement. Alexis se sentait maladroit en tenant la raquette. Ses mouvements étaient raides et incertains. Emma lui montra la prise et le placement des pieds et il imita ses gestes, essayant de se familiariser avec le sport. À chaque coup, il ressentait un mélange de frustration et d'exaltation. La balle allait rarement où il le voulait mais il apprenait et c'était ce qui comptait. Alexis s'entraîna avec assiduité, savourant l'effort physique et la joie D'apprendre quelque chose de nouveau. Il constata des progrès dans sa fluidité et son jeu de jambes. Un après-midi, après une séance d'entraînement, Emma dit à Alexis Il y a un tournoi de double pour débutants. La semaine prochaine. Je pense que vous devriez y participer. Ce serait une excellente expérience pour vous. Alexis hésita. L'idée de jouer un match était intimidant, mais la confiance d'Emma en ses capacités était rassurante. Je vais le faire, a-t-il dit. Le jour du match, Alexis pouvait sentir l'adrénaline monter en lui. Son partenaire, Robert, était aussi stressé. Leurs adversaires, deux femmes, tout aussi novice, était prête à les affronter. Le match était un ascenseur émotionnel. Alexis a commis des fautes, a raté des balles et a ressenti une pointe de frustration. Mais il a également connu des moments de triomphe. Un service bien placé, une volée surprenante et un rire partagé avec Robert ont fait en sorte que le combat en vaille la peine. Ils n'ont pas gagné le match, mais ce n'était pas le plus important. Alexis, avait un sentiment d'accomplissement qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Après le match, Robert lui dit: Tu as été formidable, Alexis. On ne fait que commencer. Alexis a souri, le cœur léger. Il réalisa que c'était plus qu'apprendre un sport. Il s'agissait d'embrasser la vie et ses possibilités infinies. Il avait découvert une communauté, une nouvelle façon de rester actif et une passion qui lui apportait de la joie. Au fil des années, Alexis a continué à jouer au tennis. Il devint un habitué du club, participant à des matchs, assistant à des événements sociaux et même encadrant des nouveaux venus. Son jeu s'est amélioré Régulièrement. Mais plus important encore, il était épanoui. Un soir, après un match, Alexis était assis avec Emma et un groupe d'amis du club. Ils discutaient de leurs progrès, partageaient des anecdotes et riaient de leurs erreurs. Alexis regarda autour de lui, reconnaissant du chemin qu'il avait parcouru. Emma leva son verre en portant un toast à Alexis qui prouve qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre ses rêves et trouver de nouvelles... Passion. If you enjoy this episode, you'll like my exclusive learning tier on Patreon. You'll get exclusive learning videos, bonus episodes, along with French idioms and expressions. Link in the description.